Skin Chemist Wrinkle Killer Snake Serum. Bonjour, Sophie de Kill Reptile, pour vous donner les résultats de ce test que je vous avais promis de faire entre le 24 mai et le 24 juin. Nous sommes fin juillet. Il m'a fallu un peu plus de temps que prévu pour vider le flacon. Je voulais absolument voir sur du très long terme ce que ce produit miraculeux avait comme effet et donnait comme résultat. Tout d'abord, c'est un produit extraordinaire. Quand vous l'appliquez, il a immédiatement un effet liftant. Donc vous sentez immédiatement que votre peau se retend. C'est très très agréable parce que vous avez l'impression d'avoir une peau toute lisse dès que vous l'appliquez. C'est étrange à la fois parce que c'est un petit peu comme si vous aviez un masque. Bon, il est vrai que je ne le posais pas sur l'entièreté du visage, mais bien sur les zones plus faibles, plus fragiles, plus fines, hein, le contour des yeux, le pli ici, la ride entre les sourcils et les rides du front. Alors, je vais faire des gros plans dans quelques secondes pour vous montrer les résultats. Moi, je suis absolument convaincue par ce produit. Voilà, c'est vraiment très très agréable parce que c'est vraiment, il est très très frais à l'application. C'est comme un gel et donc ça pénètre assez facilement. Vous pouvez très rapidement après cela vous maquiller comme d'habitude, soit avec le fond de teint, soit avec une crème teintée. Voilà, tout le maquillage habituel que vous utilisez, vous pouvez l'appliquer tout de suite après absorption du produit. C'est assez rapide. Et l'effet est vraiment très intéressant parce qu'il tend vraiment la peau. Donc ça se sent, donc vous avez vraiment le ressenti. Et ça se voit quand vous vous approchez du miroir. Je vais vous dire aussi, avant de vous faire le gros plan, que il s'agit effectivement de l'utiliser, donc de le poser aux endroits fragiles tous les jours, matin et soir. Ça, c'est vraiment important pour avoir des résultats visibles. Voilà, maintenant, je vais vous faire un gros plan. Il est vrai que je me suis maquillée les yeux, mais vous allez voir le contour. Moi, je l'ai vu, ça va peut-être être moins évident à la caméra, mais moi, je l'ai vu et je le vois. Il y a une diminution de la profondeur des rides. Bon, ça ne veut pas dire que quand je souris, il n'y a pas la petite patte de doigt qui reste là. Le pli reste présent. Il est en partie héréditaire dans ma famille, hérité de ma grand-mère paternelle. Et donc, je ne vais pas me transformer, à moins de faire effectivement une intervention chirurgicale, botox, acide hyaluronique. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour prévu dans mon agenda, en tout cas pour le moment. Donc voilà, je vais vous faire un gros plan. Moi, je suis vraiment convaincue. Skin Chemist Wrinkle Killer Snake Serum. Donc, je le rappelle encore une fois, on n'utilise absolument pas d'extrait de venin, de serpent ou quoi que ce soit. C'est un produit purement synthétique, mais qui est très très efficace. Voilà, je vais donc vous faire un gros plan maintenant. Voilà, vous pouvez apercevoir mon œil en gros plan. Je vais encore avancer pour que vous puissiez mieux voir. Alors, ce n'est peut-être pas parfaitement visible à la caméra, mais moi, j'ai quand même observé une diminution de la profondeur des rides qui marquait vraiment le coin des yeux. Alors, bien sûr, quand je vais rire, sourire, eh bien, les plis vont se marquer. Il ne s'agit pas d'une paralysie du muscle interne, vous voyez, ça bouge bien, ça n'a rien à voir avec du botox. Il s'agit vraiment d'un produit externe, donc une intervention externe par ce produit. Donc vous n'allez pas être transformé, mais ça diminue la profondeur des rides. Voilà, je vais vous montrer ici le pli. Bien sûr, je ne le fais pas disparaître, il est héréditaire, mais il s'atténue. Alors pour les rides du front, il y en a encore. Ça c'est clair. Mais moi j'ai vraiment très apprécié dans ce produit l'effet liftant dès qu'on le met. C'est très très agréable, on a la peau qui se tend et une peau plus lisse sous le maquillage, donc ça donne un effet rajeuni. Voilà mesdames, et à bientôt pour d'autres tests. Au revoir.